Anne-Cécile Denis, donc d'une entreprise. Vous avez créé une entreprise dont vous allez nous parler, qui s'appelle Les Petites Rivières. Voilà. Alors, d'abord, l'entreprise, c'est quoi et comment s'est fait le travail avec l'actrice? Bonjour à tous, merci pour l'invitation, merci à Astrid et au Pendant l'Optimisme. Donc effectivement, alors moi je suis toujours actuellement dans la couveuse, je ne suis pas encore sortie. J'ai cofondé avec un associé, Sébastien, qui est là d'ailleurs, Les Petites Rivières. Donc nous, notre mission, c'est vraiment de connecter entreprises et collectivités avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc on s'inscrit complètement dans cet optimisme-là, c'est-à-dire que nous, on croit fermement que le partenariat entre les entreprises et collectivités et l'ESS, c'est l'avenir, c'est que ça va permettre vraiment d'une part aux entreprises de répondre à leurs enjeux d'engagement social, d'ancrage territorial. Et côté économie sociale et solidaire, et bien sûr, c'est des moyens en plus pour mener leurs actions de terrain, pour être au plus proche de leur mission sociale et répondre aux besoins des populations. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on accompagne les fonctions ressources humaines, les fonctions achats, les fonctions responsabilité sociale. On leur fait du conseil, de la formation, on leur explique ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. Et on organise des événements de mise en relation. Ce qui se fait beaucoup en ce moment, c'est les conventions d'affaires. Voilà. Et donc, la couveuse, très clairement, c'est une façon de démarrer sereinement. C'est-à-dire qu'on bénéficie d'un hébergement administratif et juridique. Donc on peut vraiment se concentrer sur le développement de notre activité sans être perturbé par des questions de gestion ou d'administration. Super, bravo, vraiment, bravo à vous pour ce projet.